Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3 qui va vous permettre de débloquer le skin Potiron Chromé. Alors, avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitches d'XP. Donc merci à tous ceux qui s'y connectent, le code sera en description en commentaire épinglé. Alors, le code du glitch de cette vidéo que je vais vous présenter, c'est le 2 4 6 8 9 6 3 2 4 3 3 5. Donc voilà, le code sera aussi également en commentaire et en description. Donc vous entrez ce code, vous sélectionnez la map, vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et vous pouvez aller dans la boutique d'objets de Fortnite, entrer le code SCM. En minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent. C'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Et n'hésitez pas à l'actualiser toutes les deux semaines parce qu'il s'efface toutes les deux semaines. Donc merci à tous. Alors par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Voilà, voilà, merci. Donc là, quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur triangle, enfin vous maintenez triangle pour lancer la partie. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes pour gagner beaucoup plus d'XP. Donc si vous n'avez pas le temps, vous faites le glitch directement. Mais si vous avez 10 minutes devant vous, ben, vous attendez 10 minutes et ensuite vous faites le glitch. Moi, je vais attendre 10 minutes et on se retrouve juste après. Ok, donc j'ai attendu 10 minutes. Maintenant, je vais vous présenter le glitch. Alors, première chose que vous allez devoir faire, c'est d'aller chercher un cramponneur. Donc voilà, comme celui-là. Hop. Ensuite, vous allez dans la map. Et là, je vais aller de l'autre côté. En fait, je vais... Là, il y a le coffre. Vous voyez, là où j'ai construit, il y a le coffre. Et moi, je vais me rendre de l'autre côté. Donc, je vais me rendre dans l'autre camp. Et avec mon grappin, je vais escalader le mur. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais de l'autre côté. Alors ensuite, ce que vous faites, c'est que vous sautez et vous mettez un sol. Vous mettez un sol, mais en dessous, quoi. Juste ici dans le coin. Donc moi là j'en ai mis deux sans faire exprès. Mais voilà, vous allez mettre un sol. Vous pouvez prendre le point de repère là en haut à droite sur la mini carte. Vous pouvez voir le point de repère où je me trouve hein, si jamais. Et là normalement vous avez un bouton d'XP qui est juste là. Donc quand vous mettez un sol d'un étage, vous avez un bouton d'XP. Ah ouais, donc j'ai déjà gagné. Ah ouais, ok. Donc j'ai déjà gagné. Attendez, je vais vous dire. Rien qu'en attendant, j'ai gagné 30 000. 50 000 XP. Voilà, j'étais niveau 57 avec 20 000 XP. Donc voilà, alors le premier bouton, il est juste ici, donc vous interagissez avec. Là, ça va vous donner de l'XP. Alors ensuite, vous allez vers le coffre. Et quand vous êtes près du coffre, vous allez compter 4 carrés, si je ne me trompe pas, devant le coffre. Donc, 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés. Ensuite, vous faites 1, 2, 3 rampes et 1 plat. Au-dessus du coffre. Et ensuite, vous interagissez avec le bouton Secret XP. Là, ça va vous donner aussi de l'XP. Hop. Et le dernier glitch, il se trouve à gauche du coffre. Donc, près du quad là-bas. Vous allez près du quad. Et à droite, juste ici, vous suivez la ligne. Donc, à droite du quad, hein, vous suivez la ligne. Jusqu'à temps de voir un bouton interagir. Donc, j'ai fait... 1, 2, 3, 4 pas. Voilà, c'est juste ici. Vous interagissez avec et là, ça va vous donner encore de l'XP. Donc, on va voir combien j'ai gagné d'XP au total. J'ai commencé la vidéo, vous pouvez le voir en début de vidéo, j'étais niveau 57. Et là, on va voir combien d'XP et combien de niveaux j'ai gagné. Donc, j'étais niveau 57. Là, je suis niveau 62 avec 59 000 XP. Donc, j'ai gagné 5 niveaux, ce qui équivaut à 400 000 XP. Donc, voilà, en 10 minutes, j'ai gagné 400 000 XP. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.